Got it. On continuera plus tard. Je veux qu'on dépose le mât. Levez le mât. La voile. Thank you.
Ta peine. Dunwich. Les hommes de Rouette sont passés par là. Eivor, te voilà. Dunwich. Il est grand temps d'allumer le brasier. Je vais le faire. Toi, tu parleras. Brotir, Valdis et moi allons examiner le quai, pour éviter toute mauvaise surprise. Oswald et moi attendrons ici que le feu soit allumé. La grande porte est bien gardée. Tu ne passeras pas. Je vais trouver un moyen. Nous te protégerons. Reste à éliminer les hommes de Roued et à allumer ce feu. Je vais t'ouvrir le crâne. Coopérons. Allez. Suivez-moi!
Il n'y en a plus. Une fois le feu allumé, le reste des hommes de Rouette devrait arriver. Odin me gâte. En échange de la vie de quelques hommes, il m'offre l'estanglie et me rend même ma femme. Oh, belle journée. Toi, je ne te connais pas. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Le clan que tes hommes ont attaqué avant que je ne les tue. Qui m'a appelé? C'était toi, Valdis, mon amour? Et pourquoi t'appellerais-je, après 5 années de bonheur loin de tes bourses puantes? Non, c'est moi, Roued. Toi, Oswald, qui prétend au trône d'Estanglie? Et qui a pour destin d'épouser Valdis. Pars et emmène tes hommes. En Estanglie, Saxons et Danois sont forts et unis. Ils ne craignent pas les pillards. Et je devrais faire voile vers le Danemark les mains vides, après un aussi long voyage? Tu auras mon poids en argent, et quantité de bétail et de grains. J'en ai déjà pris 10 fois plus. Qu'as-tu à dire à cela? Je te propose une chose, sombre porc, un Holmgang, rien que toi et moi, pour l'avenir de ton royaume. J'accepte. J'accepte un combat à mort. L'enjeu sera l'Estanglie, ainsi ai-je parlé. Le noisetier est en place! Le carré est prêt. Dès que tu le pourras, emmène Valdis et ses frères à l'abri. Ils ne doivent pas se battre. L'Estanglie a besoin d'eux. Laisse-moi combattre à ta place. Non. C'est à moi de le faire. Quand tu veux, roi de la Fange! Je suis prêt! Vite! J'y vais!
Thank you.
Dieu te bénisse pour ta gentillesse. Merci. Ils se dispersent. Ils s'abandonnent pour l'instant. On a réussi à les distancer. On peut se reposer un moment. Par Thor, il s'est bien battu. Enragé comme un putois. Il faut y retourner. Oswald a peut-être survécu. Rued aussi. C'est possible.
Les hommes de Roued vont tenter d'en profiter. Il faut se préparer à leur attaque. Nous irons à Norwich. Retrouve-moi là-bas quand tu le pourras. Il est mort en héros. Aucun doute. Si son dieu ne l'emmène pas, les guerrières d'Odin le feront. Je t'en prie, sans hydromel de sang, nous allons mourir! Qui est-il, l'ami? Pourquoi la clairvoyante ne répond pas à ton appel? Je ne sais pas, mais sans son aide, ma famille est condamnée. S'éloigne de la maison. Il s'est passé quelque chose. La porte est fermée et aucun signe de vie à l'intérieur. Mieux vaut regarder alentour. Des papillons. Quelqu'un a perdu beaucoup de sang. J'endure volontiers cette douleur, Freya. Oh, mais de grâce, envoie-moi un signe. Oh. Je te remercie, bonne âme. Tes blessures sont graves. Ne devrais-tu pas rester allongé? Je vais te ramener chez toi. Ce ne sont pas des blessures, mais c'est bien mon sang. J'ai préparé la potion de bénédiction de Freya, pour les cultures. L'hydromel de sang. Tu connais bien. De ma souffrance naît la vie. Ah, je t'en prie, mène-moi à la clairière. Le champ a besoin d'hydromel de sang. Il y a chez toi une paysanne qui en a aussi besoin. Elle attend désespérément ton retour. Oh non, mais les champs. Si je ne continue pas, la récolte sera perdue. Oh, s'il te plaît, mène-moi à la prochaine pierre de sang. Volva. La douleur est forte. Mais je dois achever le rite. Je pourrais l'amener à la prochaine pierre de sang. Elle pourrait achever le rite. Je pourrais aussi la ramener chez elle. Où l'attend la paysanne? C'est là. Te sens-tu assez forte pour achever le rite? Oui. Mais j'ai besoin de repos. Je chanterai et sèmerai l'hydromel de sang. Une tâche que je dois accomplir seule. Je comprends. Que puis-je faire d'autre? Tu en as fait assez. Et je t'en remercie.
Reviens dans quelques jours pour voir les champs florissants. Je le ferai. Au revoir, Volva. Puissent les dieux veiller sur toi, bonne âme. Adieu. Oswald est mort. Oswald est mort. Pleurons celui qui devait devenir notre roi et qui était l'espoir de l'Est Anglie. Nous nous souviendrons de son... Un autre roi perdu à Eivor. Arrête de noyer tes soucis dans les dromelles. Qu'est-ce que je vais dire au Jarl Halfdan? J'ai encore échoué. Tu n'as pas échoué. Le clan de Roued est très affaibli. Nous pouvons encore sauver cette région. Quel Sein serait prêt à prendre ce risque? Oswald était le dernier à avoir un soupçon de courage. Nous pouvons porter le combat chez ce qu'il reste du clan de Roued avant qu'il ne contre-attaque. C'est facile à dire. Ces hommes sont retranchés à Burg Castle, une forteresse en bord de mer. Sur la côte? Alors il doit y avoir un port. Oui. Protégé par une porte en bon fer, tenue en place par des madriers. Difficile à enfoncer. Le bois, ça brûle. Il est vrai, mais comment faire pour l'atteindre? En entreposant de l'huile à la proue de ton navire, et en l'incendiant à la porte. Ils nous verront arriver, bien avant qu'on atteigne les murs. Levons un Fyrd, une troupe de paysans d'Est Anglie, pour faire diversion à la porte principale. Des Saxons prêts à mourir pour des Danois. Cela tient du rêve. Cela peut marcher, Finr. S'ils se battent pour Oswald, ils n'auront pas besoin d'autres motifs. Vous, là, vous savez ce qu'a fait Oswald? Ouais, bien sûr. Il a traîné ce diable danois de Roued jusqu'aux entrailles de l'enfer. Roued a disparu, mais son clan maltraite toujours l'Est Anglie. Viendrez-vous avec nous chasser ces chiens de votre royaume? Oswald? Oui, sans hésiter. Deux Saxons vengeurs, c'est loin de constituer un Fyrd. Mais tu as peut-être raison, cela peut marcher. Je peux aller à Elmenham et rallier ce qu'il reste des forces d'Oswald. Qui d'autre se joindrait à nous? Winston, le magistrat de Théophord.
Il n'est pas ce qu'on appelle un joyeux drill, mais il se battra jusqu'à la mort pour ses terres. On peut établir un campement dans les ruines qui sont au nord de Burg Castle. Accompagne-moi, Finn. Allons rendre visite à ce magistrat. Si nous avons de la chance, Roued n'aura pas mis un sac Théophore. La chance est une denrée bien rare en ce royaume. Peut-être, oui. Mais je préfère m'accrocher à quelque chose, plutôt que de chevaucher les mains vides. Si le clan de Roued continue à s'en prendre impunément à ce royaume, les habitants d'Est-Anglie seront aussi piteux que cette terre. Et regarde-nous, abattre les marais afin d'implorer l'aide d'une bande de paysans apeurés. Mais pour qu'ils combattent pour le roi que tu leur as donné, Finn, ne l'oublie pas. Ma tâche était de leur trouver un roi, pas de le protéger contre tous les périls qu'il aurait à affronter. Oswald n'était pas encore couronné, ni marié. À mes yeux, ta tâche n'était pas encore achevée. D'accord, d'accord. Inutile de me rappeler à tous mes manquements. Méfie-toi. Il reste peut-être des hommes de Roued. Théophore, là, devant. De la fumée et des cendres. Les hommes de Roued sont passés par ici. Pas le moment de gaspiller ce que nous offre le Seigneur. Nous n'avons plus rien, magistrat. Rien du tout. Du calme, mon ami, nous allons rebâtir. Tu ne manques pas de culot pour te montrer ici. Ce sont les tiens qui ont fait ça. Ton ennemi, c'est le clan de Roued, pas moi. Je viens au nom de Feu Oswald d'Elmenham. Tu n'en restes pas moins une Danoise. Et c'est votre présence qui a entraîné la mort d'Oswald et plongé notre royaume dans la ruine. Oswald était un ami et un allié, magistrat. Nous avons combattu côte à côte. Et regarde où ça l'a mené. Si l'on ne triomphe pas du clan de Roued, l'Est-Anglie tombera. Combat à mes côtés contre lui. Pour Oswald et pour les tiens. De belles paroles, Danoise. Mais les gens de Théophore ont leur propre combat. Si jamais tu as besoin d'une hache, je suis là. Il y a à l'est un village appelé Kingsbury. Les hommes de Roued s'en sont emparés il y a 2 semaines. Je tiens absolument à le reprendre. Laisse-moi m'en occuper avec mes hommes. Économise tes forces et rejoins-nous pour les combats à venir. C'est honorable. Si tu tiens parole, les piques de Théophore se joindront à toi. Je vais porter cette nouvelle à notre campement, Eivor. Viens dès que tu le pourras. Je te retrouverai là-bas. Au sommet de l'église de Kingsbury se trouve une grande corne. Si tu réussis, souffle dans cette corne. Et nous saurons que tu as tenu ta promesse. Du calme, mon ami, nous allons rebâtir. Je n'en aurai pas là. Tiens bon. Danoise,
J'aimerais te parler. Tu as besoin de moi ? Nous t'avons entendu discuter avec le magistrat, et nous voulons combattre à tes côtés. Oswald a toujours été bon et juste avec nous. À la bonne heure. Rejoignez les ruines au nord de Burr Castle. C'est là que se rassemble l'armée. Des gens qu'on décide. On reprendra plus tard. Là, un campement! Probablement hostile! Kingsbury. Où grouillent les hommes de Roued. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah!
besoin d'aide ici. Temps d'utiliser la corne et d'annoncer la victoire. Le magistrat est venu se joindre à moi. Espérons qu'il tiendra parole. La corne ! Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas entendu ! C'est une bénédiction ! J'ai respecté ma promesse, magistrat. J'espère que tu en feras autant. Oui, je tiendrai parole. Théophord combattra à tes côtés face au clan de Roued. Et grâce à ton aide, nous pourrons encore sauver l'Estanglie.
Autrefois, cette corne servait à rassembler les Firds dans toute la contrée. D'autres, peut-être, répondront aussi à son appel. Bien. Si tu trouves des hommes prêts à combattre, envoie-les aux ruines, au nord de Burg Castle. Théophord a répondu à l'appel. Je dois retrouver Finn à notre campement. Bonjour. J'ai des informations. Ça t'intéresse ? Mes prix sont très compétitifs. Oui, d'accord. Bon, montre-moi ta carte. Il y a un endroit, là.